c'est vrai que la baie de Douarnenez, on a la chance d'avoir des points de départ, des points d'arrivée qui nous permettent de faire des parcours dans toutes les orientations de vent et de houle. Donc le programme, c'est en termes de course, ça se définit presque la veille en fonction de l'orientation du vent pour que les conditions optimales de glisse et de downwind soient les meilleures. La course est partie de Morgat, est arrivée, on a eu la chance de pouvoir arriver ici au village et de voir le public, voir tous les concurrents arriver un par un là sous l'arche. On a eu un bon parcours, le vent est prévu était là, mais on n'en a pas eu autant que prévu, mais bon, il était dans le bon sens, on avait les petites glisses qu'il fallait pour venir jusqu'ici. Et voilà, c'est monté crescendo depuis Morgat pour finir avec un peu plus de bump sur la fin. Ouais. Dès que ça a commencé à bouger, j'ai fait en sorte de pas laisser passer une glisse pour m'écarter de mes concurrents un maximum et puis voilà pour arriver ici premier avec un petit peu d'avance sur Martin Vitry et troisième Tom Aubert. C'est la première course de la saison pour moi et donc en plus une Coupe de France, donc c'est super important, il y avait du monde, il y avait du niveau et donc je me sentais prêt, j'ai fait une bonne préparation avec mon coach Vincent Guillaume. Au l'overall, je finis deuxième derrière Titouan et devant Tom, donc c'était mon objectif. 7B, on est dans les bonnes conditions, quelle que soit l'orientation du vent. Et là, c'était vraiment le cas. On a toujours eu le vent dans le dos. Et c'est ce qu'on cherche. Le faire du upwind, c'est pas trop notre truc. Puis là, ils ont fait un événement de malade. Il y a tout qui était parfait. Le parcours d'Erwan était vraiment parfait. L'ambiance sur le site, le monde qu'il y avait, voilà, la presse, tout ça c'est génial. Et ouais, c'est le plus bel événement en France que j'ai fait pour l'instant. On sent vraiment que ça prend de l'ampleur, de l'importance. Et aussi grâce à Oxbow qui a mis le paquet, vraiment, quoi, c'est cool. Super.